بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ أحمد مشطشي مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء. في هذا اليوم 9 نوفمبر 2016 احنا مسرورين وكيسعدنا نتواجدوا وننظموا بشراكة مع لاسوسياسيون الريان بولا سونتي لو ديفلوبمون هذاك يوم تحسيسي للطلبة والطالبات بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بخصوص الصحة ديالهم والمواضيع حساسة اللي غادي يقدمها سميتو الدكتور القادري محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور القادري رئيس جمعية ريان، يسعدني اليوم أن أنظم بشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن مناظرة علمية وتحسيسية عبر لعدة مواضيع طبية، بالضبط 4 مواضيع تحسيسية مهمة. الأولى الأمراض التناسلية، وسيتكلم عليها الدكتور عقيل. الثاني العقم عند المرأة والرجل، وسيتكلم عنها الدكتور المريسي عبد الحفيظ. وأمراض الوجه الخفية والباينة الغير الخفية، وتتكلم عنها الدكتورة هند الهايم. وأمراض الغدة الدرقية بما فيها الولاسيس وغير ذلك، الكواتخ بالأورام والتضخم الغدة الدرقية، وسيتكلم عليها الدكتور القادري محمد. أنا شخصيا تنشكر جزيل الشكر الأستاذ أحمد مستشي والأساتذة والتلاميذ المهندسين الذين شاركوا في تنظيم هذه المناظرة العلمية والحملة التحسيسية، وشكرا لكم جزيلا. دكتور المريسي، دكتور عقيل، دكتور القادري، اي دكتور حين. Je tiens également au nom du président de l'association Ensemble Casablanca, Mehdi Mehlel, qui suite à des imprévus n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui parmi nous, n'aurait pu voir le jour sans la présence de monsieur le directeur Ahmed Mostachi, à qui je porte la parole. Je vous passe la parole, monsieur. Un mot de bienvenue pour adapter les docteurs envers les docteurs qui sont présents avec nous. Donc, que je tiens à remercier vivement, et je commence cette fois-ci par madame le docteur Haïm Hin, donc notre spécialiste en dermatologie, docteur Qadiri Mohamed, président de l'association Ryan pour la santé et le développement, et spécialiste en médecine interne, et docteur Nemalissi Al-Hafid, spécialiste en gynécologie obstétrique. Donc, cette journée ou cette demi-journée des élèves ingénieurs et l'association Ryan pour sensibiliser les étudiants et les étudiantes sur leur santé et les préoccupations de tous les jours de la santé humaine. Donc, je tiens à remercier aussi le professeur Mshkour Nadia d'avoir pris l'initiative avec l'association des élèves ingénieurs, et je remercie aussi les enseignants qui se rejoignent le conseil d'établissement qui va démarrer dans quelques minutes. Le professeur aussi, je ne vais pas vous oublier, le professeur Payan, qui est tout le temps présent dans ce genre d'événements, surtout dans les événements qui sont organisés par les élèves ingénieurs, dans le cadre de la santé. Donc c'est uniquement une information que je vais annoncer. Et dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'université Hassan II,
pour la mise en place d'un certain nombre de centres de recherche. En membre de ce laboratoire, nous avons tous décidé de rejoindre la faculté de médecine. La faculté de médecine, pourquoi? Tout simplement pour qu'on puisse associer la partie ingénierie au côté médical. Là, c'est nouveau au niveau du Maroc. Associer l'ingénierie au du projet de l'équivalent de 2 milliards centimes. Donc, c'était dans un projet qui s'inscrivait au des prothèses de personnalité et aussi dans la partie implant dentaire. Donc, ça me tient à cœur l'association de l'ingénierie au côté médical. Donneront le maximum de ce qu'ils peuvent donner avec la faculté de médecine. Donc, au niveau médical aussi, je tiens à rappeler que l'année dernière, les élèves ingénieurs avaient organisé deux caravanes médicales. Je suis très enchanté d'être parmi vous. Vous qui représentez la matière grise et l'avenir de ce pays. Nous, en tant que médecins, nous sommes fiers d'être par le métier que l'ingénierie nous a beaucoup apporté et que nous demandons encore plus aux ingénieurs de nous apporter et que tout l'avenir de la médecine reposera effectivement sur les épaules et sur les ingénieurs. Notamment tout ce qui est médecine d'avenir, médecine technologie, dans tous les domaines, en chirurgie, en biologie, en cytologie, on a besoin de tout, toute ingénierie, d'informatique, des spécialités. Que les ingénieurs puissent intégrer les facultés de médecine quand ils veulent. Et après, il a fait le stage avec nous et c'était extraordinaire. Après, il est devenu sommité, il a participé dans les IRM, il a participé. Donc, moi, je suis très d'accord avec à part dans la médecine gynécologique, hein, maintenant, des médecins spécialisés que dans ce. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très complexe, très vaste, où beaucoup de facteurs interviennent, beaucoup d'éléments à comprendre. Voilà. Alors, pour vous donner une idée juste rapidement, on peut dire que la reproduction, par exemple, c'est le mécanisme qui permet à une espèce de se reproduire et de se perpétuer. Alors, il y a un mécanisme fondamental que tous les médecins connaissent pour que cette machine LH-RH et la FSH-LH, c'est des hormones qui sont sécrétées à différentes parties du cerveau et qui, après, permettre à une ovule d'évoluer et pour la création d'un être humain. Alors, cette machine hormonale demande quand même des récepteurs anatomiques chez l'homme. Bien sûr, un cerveau, une tête, et puis il faudrait un utérus, des ovaires, des trompes, etc., pour que ça fonctionne, voilà, et puis il y a l'intervention d'autres, tout à l'heure, tous les appareils dans notre corps peuvent intervenir, par exemple, le docteur Tadiri va traiter du goitre, le goitre intervient. Également, intervient dans les hormones, notamment par le surrénage, le pancréas intervient. Des tumeurs, certains malades qu'on est obligé de problèmes, certains peuvent intervenir au niveau bien sûr des reins, au niveau tout l'axiphilis, mais il y a d'autres maladies qui sont plus graves et plus destructrices et qui sont complètement insidieuses et silencieuses. Le chlamydia, le mycoplasme, des trucs comme ça. Il faut faire très attention à ça. Donc se protéger quand on n'est pas. Faire très très attention aux maladies sexuellement transmises. Par rapport justement au problème de la non-reproduction, j'entends parler souvent des problèmes d'incompatibilité. C'est-à-dire on peut avoir l'homme
qui peut avoir des enfants avec une autre femme. Est-ce que scientifiquement c'est vrai? Et puis, quelles sont les solutions, ou bien sinon les causes de ce dysfonctionnement, si on peut dire? Oui, c'est que la femme, en général, présente un problème, ce qu'on appelle, nous, Takeyusat Mabé, c'est-à-dire OPK, ovaire polykystique. Et bon, cette patiente-là, elle a toutes les conditions pour avoir une grossesse. Simplement, son ovaire, elle est entourée de petits kystes et de petits. Et ces kystes-là, ils font une ceinture de sécurité, hein, donc, qui empêche le sperme de pénétrer et féconder la femme. Si le mari il a un bon sperme, l'opération se passe sans se rendre compte que la femme peut tomber enceinte. Mais si par malheur il a un sperme, nous le ovarian drill, ça donne dans 50% des cas un résultat, c'est-à-dire on prend l'ovaire avec du laser. C'est les ingénieurs qui ont créé ça. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis le président de l'association Pancarte, c'est un peu le bio. Merci pour toutes ces informations. Je voudrais vous demander à propos de la stérilité. Parfois, il y a des femmes qui passent. Il y a beaucoup qui nous échappent. Et on est surpris des fois. Les patientes, on a tout essayé, on a tout. Ça ne compte pas. Et puis, un beau jour, elles tombent enceintes. Et c'est la nature, ou c'est le bon Dieu, c'est le. Et effectivement, ce qu'on appelle là des stérilités inexpliquées. Inexpliquées. Cette qualité du sperme en gardant, c'est-à-dire que l'entrée santé ne sera pas lancée, c'est-à-dire d'une mettre sécurisée, par exemple sport ou quelque chose d'autre. Comment on peut augmenter cette qualité sans dégâts, c'est-à-dire sans influencer négativement notre santé. Et merci à vous. Plus la probabilité d'infertilité, de stérilité augmente, ça on le connaît depuis X temps, depuis carrément Marie Curie, je dirais. On sait que les rayonnements peuvent entraîner une stérilité prolongée et assez rapidement. D'ailleurs, nous avons énormément de médecins qui sont stériles au Maroc, des anciens médecins, je dis bien, des anciens médecins qui sont stériles, qui ont fait leur formation immédiatement après l'indépendance, n'étaient pas du tout respectés. Encore faut-il dire que même en France et dans les pays civilisés, ils n'étaient pas encore respectés parce qu'elles n'étaient pas encore bien établies. Parce qu'on sortait à peine de la Deuxième Guerre mondiale et on avait d'autres chats à fouetter. Donner à manger au peuple français et autres victimes de cette guerre, etc. Donc, on ne se penchait pas beaucoup sur des sujets comme ça. Et on passe au deuxième intervenant, Dr April, les maladies sexuellement transmissibles, en relation un peu avec le sujet qui vient d'être traité par Dr Moïse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une IST ou une MST, maladie sexuellement transmissible, est une infection qui se transmet entre partenaires lors des rapports, des différentes formes de rapports sexuels, à savoir la pénétration vaginale, anale, la fellation, ça veut dire c'est le fait de caresser la vulve par la langue, et l'anulingus qui veut dire les caresses de l'anus par la langue. Peuvent être dues à des bactéries gélatines, mais peuvent être dues également à des virusettes ou à des parasites tophiliens. Chacun de ces maladies vénériennes, mais à partir de 1980, on ne parle plus de maladies vénériennes parce que c'était un peu trop prohibé. Et à un moment, on a constaté que même maladies sexuellement transmissibles n'étaient pas un bon nom à donner à ces infections.
Et donc, on a quitté petit à petit le mot maladie sexuellement transmissible et on parlait plus de l'infection sexuellement transmissible, IST. Et donc, dans ce cas, que le malade présente des symptômes ou non, bon, ça entre dans. Et tous les jours, autour de vous, vous ne savez pas ce que c'est. Vous aurez aimé comprendre est-ce que c'est contagieux ou pas. Vous voulez aider les patients à se faire traiter, donc vous ne savez pas la gravité de la chose. Donc je préférais de vous faire ça en un panorama de photos, en parlant de toutes les pathologies. Pourquoi j'ai choisi le visage, peau, que ça soit très présentable, parce que ça joue sur plusieurs aspects de notre vie normale. Donc, j'ai de dévalorisation dans la société dans laquelle on vit. Donc, comme ça a été très bien dit dans un livre passionnant qui s'appelle « Le poids des apparences ». Et donc, ça pour vous dire que de la crèche à l'entreprise, en passant par la vie, on ne l'admet, mais c'est une réalité. Alors, la notion de visage, pourquoi le visage? Parce que le visage, c'est une préoccupation quotidienne. Qui parmi nous ne sort pas à l'ouvrir, des fois des visages qui sont souriants, qui sont bien, on a l'impression qu'on veut être en contact avec certaines personnes. Alors, 36 000 personnes vous demandent qu'est-ce que vous avez. Donc, c'est une source de stigmatisation ou de valorisation. Ça, donc, c'est un intérêt aussi pour avoir une confiance en soi. Quand on a un visage qui n'est plus dans nos jours, où la norme de beauté a beaucoup changé. Donc, les normes de beauté actuellement, elles sont très différentes d'il y a des airs. Avant de vous parler des pathologies, pour simplifier, donc ce que vous voyez en superficie, c'est l'épiderme. Et l'épiderme, c'est quoi? C'est les petites couches superficielles, ces petites cellules qui sont entassées les unes sur les autres. Ils sont formés par les kératinoïdes. La structure, il y a le petit poil, ce qu'on appelle le follicule pilosébacé. Follicule, l'organisme, où il y a le poil, et il y a la glande sébacée qui synthétise le sébum. Et le sébum, c'est la petite substance un petit peu luisante qui sort quand on dit qu'on a un visage gras, un visage sec, un visage mixte. J'ai entraîné dans la pathologie du visage, c'est la pathologie la plus fréquente, la plus connue, la plus affichante, qui est l'acné. Alors l'acné, ce n'est jamais corrélé à la gravité de l'acné. On peut trouver une acné très très légère et qui gâche la vie d'une adolescente. Par contre, on peut trouver un patient avec une acné sévère et qui ne consulte même pas parce que pour lui c'est normal, ça va disparaître un jour. Sans oublier bien sûr la hantise de cicatrices. Et ça atteint essentiellement les adolescents entre 12 et 18 ans, mais ça, comme j'ai dit, ça peut se prolonger. Alors, la question qui passe dans la tête de tous les patients qui sont admis, comment cette acné a survenu dans mon cas et pas dans le cas de l'autre? Ça veut dire, quels sont les intervenants dans le développement de l'acné? Pour schématiser, il y a trois grands auteurs. Il y a ce qu'on appelle le kératinocyte, rappelez-vous, la petite cellule de la couche superficielle de l'épiderme, et il n'atteint que 10%. Et les autres formes cliniques divergent entre des. Avec des... Oui, comme les images de l'écran, ma broche est beaucoup moche. Ça veut dire nous on a des vaisseaux qui viennent du cœur. Et une fois à la fin des mains et des pieds, on a des acharnements entre les petits capillaires et les petits vaisseaux. Quand on est dans un climat très froid, les vaisseaux, elles se contractent. Donc il n'y a plus de... Je vais conjuguer le français et l'arabe. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très important sur le plan pratique. Il est, d'une façon générale, nodules, inflammation, thyroïdite, thyroïde d'Hashimoto, etc., etc. C'est une pathologie très, très fréquente, mais dominée par le goitre et les nodules. Et de ce fait, moi, j'ai choisi ce sujet, pour sa fréquence, son extrême fréquence, et parce que la population a une énorme confusion dans la tête en matière de goitre. Point que, semble-t-il, sans avoir des statistiques exactes, en Allemagne, on opère autour de 10%, peut-être jusqu'à 15%. Et au Maroc, on opère plus de 50%.
sans avoir de statistiques précises et exactes. Mais c'est non dû de la thyroïde. Donc, on va commencer par la définition. Tadakhum l'rudda d'oraqiyya. D'oraqiyya. Une femme sur deux, à l'âge de 50 ans, présente un goitre ou des nodules, ou un goitre multinodulaire, c'est-à-dire un goitre truffé, parsemé de nodules. Dans certains pays, dans certains hommes, dans certaines régions, donc l'incidence est variable. Le goitre endémique compte plus de 10% est atteint de goitre, surtout dans les régions montagneuses. L'Himalaya. هذا الحملات التحسيسية سنقوم بها في مناطق أخرى والآتية إن شاء الله ستكون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بشراكة مرة أخرى مع العميد ومع الأستاذة نادية مشكور وعدة كوادر في التعليم ولقد قمنا من قبل بعدة حملات تحسيسية للشعب أيضا في عدة مقاطعات وعملات نقوم بعدة قوافل طبية في أنحاء المغرب خاصة في المناطق النائية المخصوصة والتي فيها نسبة الأطباء أو مستوى التطبيب قليل جدا وعند كل قافلة طبية متعددة الاختصاصات نأخذ على عاتقنا بعض المرضى المعوزين المحتاجين لنتكلف بهم في من الناحية الجراحة أو تحليلات طبية كبيرة. بغينا نعرفوا أشنو دور وزارة الصحة في هذا الجانب الصحي والمساعدات ديالها اللي تقدر يعني تباشرهم معكم أنتم كجمعية ريان وكأطباء متطوعين في هذا المجال الخيري. لحد الآن بصراحة ليس لنا أي دعم من الدولة ولا من وزارة الصحة ولا من إدارة أخرى تهتم بهذا الميدان الدعم الوحيد الذي عندنا هو بعض المحسنين الله يجزيهم بخير ذوي القلوب الرحيمة التي يمدنا بمساعدة نقدية ونحن نتكلف بالباقي على حسابنا والأدوية نأتي بها من المختبرات الكبرى والأطباء المختصين يعطينهم من وقتهم ويذهبون إلى المناطق النائية لحملات طبية متعددة الاختصاصات أما بالنسبة للدعم الدولة ليس عندنا ولو سنتيم واحد فنحن نناشد الدولة أن تمد لنا يد المساعدة وعندنا عدة أشياء قمنا بها للمجتمع وللمحتاجين يمكننا أن نزودهم بها. ما هي النصيحة اللي تقدر تعطينا في هذا الموضوع؟ إذا النصيحة اللي نقدر نعطي في هذا الموضوع هي نقول لهم أن التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والأسري هو أحسن شيء عندنا في بلادنا عشنا به عند الصغر حينما كنا شباب وأطفال لم يكن هناك أي معوز ينام بدون أكل أو يبقى بدون تطبيب
لماذا؟ لأن كان التكافل، كان التضامن، كان العطف، كانت الإنسانية. هاد الأشياء تخصم يبقاو في المجتمع ديالنا. ما يمكنناش نمشيو في الاتجاه الأوروبي، لأن أوروبا موصلات لهاد المستوى، لهاد العقلية، حتى الدولة رجعت تأخذ وتتكلف بجميع الحالات، بجميع المواطنين. رجعت هناك ضمان اجتماعي 100%، 100%. احنا بدينا نفقدوا الأشياء الحسنة عندنا، اللي هو اللي هما التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي قبل، وبدينا نمشيو في العقلية الأوروبية، العقلية الأوروبية قبل ما الدولة تبدأ تتكلف بهذه الحالات. إذن أنا تناشد المجتمع المدني وتناشد المحسنين باش يبقاو تيساعدوا المعوزين في الميدان الطبي والاجتماعي، لأننا بلد فقير، معنا لا بترول ولا تخصنا نساعدوا بعدنا، وتخصنا يبقى ديك التآزر والتكافل. وشكراً.